C'est la rentrée! Juriste ou pas, étudiant ou praticien, personne n'y échappe. Évidemment, j'arrive presque en retard, hein. Beaucoup y sont déjà allés de leurs conseils bienveillants, surtout pour les étudiants. Être présent aux enseignements, relire ses notes chaque jour, faire régulièrement ses TD, vous avez tous au moins entendu ça une fois. Et ils n'ont pas tort. Enfin, je veux dire, tous ces conseils un petit peu bateaux qu'on entend chaque année, ce sont de bons conseils. Mais je ne veux pas juste que vous ayez de bonnes notes ou que vous réussissiez votre année. J'en veux plus pour vous. Ce que je veux pour vous, c'est aussi vous aider à bien vivre vos études. Ce que je veux pour vous, c'est vous aider à trouver et poser les bases d'un cadre et d'une méthode de travail qui pourront vous servir toute votre vie. Ce que je veux pour vous, c'est vous aider à entrer dans la discipline juridique, la savourer, la maîtriser et vous l'approprier. Ce que je veux pour vous, c'est que vous deveniez des acteurs plutôt que des consommateurs de sciences juridiques. Bon ? Après de telles promesses, il n'y a plus qu'à. Vous me connaissez, j'aime faire simple. Alors je ne vais me contenter que de vous donner deux conseils. Le premier, organisez-vous un environnement facilitant et propice au travail. Ça nous est arrivé à tous, hein, de prendre de bonnes résolutions pour en fin de compte ne pas les appliquer. Qu'est-ce qui nous a manqué pour que ça marche ? Si la motivation joue pour beaucoup, c'est vrai, il y a quand même d'autres facteurs qui vont influencer votre initiative, votre productivité et la durée de votre travail. Ces facteurs d'influence, on les a tous, enfin je pense, et ils vont agir comme des leviers facilitant ou entravant l'initiative, la productivité ou la durée de votre travail. Mais il est possible d'agir sur ces leviers de sorte qu'ils aillent un petit peu plus dans notre sens. Imaginez votre vie un petit peu comme un jeu de rôle. Là, c'est votre fiche de personnage, la partie liée au travail tout du moins, et on peut voir certaines des caractéristiques qui nous composent. Il y en a d'autres, en revanche, nous influençant tout autant et dont le score change, mettons, chaque jour. Là, c'est mon score d'aujourd'hui, là, c'est mon score de demain, pas de chance. Ce que je vous propose, eh bien, c'est d'observer et de comprendre une partie des règles qui conditionnent ces jets de dés afin d'influencer leurs résultats en votre faveur. C'est ça, organiser un cadre favorable pour le travail. Et ces leviers, on peut les améliorer de deux manières. En premier lieu, on peut dire qu'il y a les améliorations personnelles. En agissant sur votre corps, vous améliorez les facteurs influençant le travail, hein, puisqu'après tout, on travaille avec son corps. Et là, on va pas se mentir, il s'agit d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors, c'est facile à dire, oui, hein, après tout, une bonne hygiène de vie, ça améliore beaucoup de choses, oui, mais il est important d'avoir conscience qu'un des aspects de notre hygiène de vie à tous a un impact majeur sur notre capacité à travailler. Je parle du sommeil. Et oui, quand on est en manque de sommeil, on est plus facilement irritable, c'est plus difficile de se lancer dans des projets ou d'avoir des idées, hein. On se fatigue plus vite, on est plus facilement distrait et nos capacités mémorielles, tant pour mémoriser que pour nous souvenir, sont dramatiquement perturbées. Alors oui, l'univers juridique est un monde qui sollicite beaucoup et on est tous amenés à terminer tard de temps en temps, à faire une nuit blanche ou deux. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Il y a toutefois une énorme différence entre ça et une privation ou un manque de sommeil constant. Combien d'étudiants j'ai vu s'épuiser pour faire et finir leur TD et se planter aux examens parce que leur corps était juste HS. Comme je l'ai dit, ce que je veux pour vous, c'est vous aider à poser les bases d'un cadre de travail qui vous servira toute votre vie. S'il y a vraiment un truc que je me dois de vous conseiller, c'est de placer le fait d'avoir un sommeil correct au centre de toute l'organisation de votre travail. Parfois, s'il faut pour ça ne pas rendre un devoir ou réduire son travail dans une matière, eh bien, les coefficients sont là pour ça. Hein. Ça s'appelle prioriser et dans votre vie professionnelle, c'est une grande qualité qui vous sera exigée. Alors, eh bien, il est temps de vous exercer. On va pas se mentir, ça va exiger des choix difficiles. Mais croyez-moi, c'est de l'investissement à long terme. Bref, autres améliorations, les améliorations structurelles. Ce sont tout simplement les éléments de votre quotidien qui vont faciliter votre mise au travail. Hein. Et un des éléments structurels importants, par exemple, c'est l'habitude. Ça paraît bidon tellement c'est simple. Hein. Alors écoutez, quand on va quelque part pour la première fois, c'est difficile, il faut être concentré pour ne pas se perdre. Hein. On ne sait pas exactement à quelle heure on va arriver et il est impossible de faire quoi que ce soit d'autre en même temps. Par contre, quand c'est un trajet qu'on fait tous les jours, qu'on a l'habitude de faire,
on sait à la minute près combien de temps ça va nous prendre, hein, en fonction de si c'est l'heure de pointe ou pas, par exemple, hein. Mais surtout, on peut le faire les yeux fermés. Même quand on n'est pas en forme, on peut le faire. Même quand on n'a pas trop envie, ça reste plus facile. Et c'est là qu'on retrouve les conseils habituels de relire ses notes tous les jours, d'aller en cours régulièrement. Ces habitudes nous donnent un rythme, une routine qui, une fois qu'on a pris le pli, rendent les choses moins pénibles. On y est habitué, ça devient facile de se mettre au travail. C'est entre autres pour ça que ceux qui travaillent tout au long de l'année ont tendance à mieux réussir que ceux qui rushent en fin de semestre, parce qu'ils y sont habitués à travailler. C'est comme pour les résolutions du nouvel an. Si vous êtes habitué chaque année à changer un truc dans votre vie, il y a plus de chances que vous respectiez votre prochaine résolution. Mettez en place des routines, fixez des sessions de travail à horaire fixe chaque jour, chaque semaine, aux mêmes endroits, avec les mêmes personnes, enfin des choses qui vous correspondent, parce que c'est ça qui va beaucoup vous aider. En parlant d'être avec d'autres personnes, il y a aussi l'engagement. L'engagement, c'est ce qui fait qu'en général, on arrive assez souvent à se lever pour aller à un rendez-vous, là où c'est carrément l'enfer de se lever quand on s'était promis que ce matin, ça serait révision pour de vrai. Hein ? Organisez votre travail de sorte qu'il soit engageant. Alors, je ne dis pas forcément qu'il faut travailler en groupe. Ce genre de choses, ça va dépendre des profils. Il y en a que ça va aider et pour d'autres, ce sera une distraction. Mais posez des actes qui vous engagent, hein, qui vous forcent à travailler là où sans cet engagement, ce sera plus difficile. Par exemple, avec un groupe d'amis, tenez-vous informé de vos sessions de travail ou encore imposez-vous mutuellement de résumer ce que vous avez fait. Ce peut être aussi le fait d'aller travailler dans des lieux publics si ça marche pour vous ou encore de travailler en compagnie de quelqu'un si le fait d'avoir une présence peut vous pousser à être plus sérieux ou sérieuse. D'ailleurs, ce truc, ça fonctionne terriblement bien sur moi. Hein. Je ne travaille que sous le regard très sévère d'Edgar. À ce titre, vous y gagnerez énormément à organiser votre travail en collaboration avec des collègues, des amis ou des proches. Hein. Que ce soit pour partager sur la forme, comme de faire part de vos difficultés mutuelles, de chercher à vous soutenir entre vous, ou encore de faire régulièrement des sessions où, à tour de rôle, l'un explique aux autres le cours de la semaine, par exemple. C'est extrêmement bénéfique et efficace pour travailler, vous verrez. Grosse suggestion, ne soyez pas isolé. Vous pouvez avoir des sessions de travail seul, il y en a pour qui c'est très important, mais dans la globalité de votre organisation, ne soyez pas seul. Autre amélioration structurelle qu'on a tendance à négliger, le confort. Ça peut paraître anodin, voire risible, mais l'air de rien, une mauvaise position de travail, un environnement bruyant ou pas assez lumineux, un bureau trop haut ou trop bas, hein, ou la température, évidemment, toutes ces choses fatiguent. Et elles impactent énormément votre productivité et votre capacité à travailler longtemps. Après, c'est pas facile à gérer non plus. On n'a pas tous la possibilité de travailler dans différents endroits, d'avoir un bureau spacieux et silencieux, hein, d'avoir des fauteuils très molletonnés. On n'est malheureusement pas tous égaux. Donc il va falloir bricoler. Par exemple, à défaut d'avoir accès à un lieu calme, on peut utiliser des boules qui est. C'est du bricolage. Ou encore, quand personne ne s'intéresse à ce que vous faites, utilisez une peluche pour vous surveiller. Oui Edgar, je me remets au travail. L'essentiel, c'est d'être attentif à comment améliorer cet aspect-là de votre environnement aussi. Enfin, on termine par le classique, les distractions. Ça va sans dire, toutes les sollicitations que nous connaissons aujourd'hui nuisent à notre concentration. On ne vous le dira jamais assez de couper votre téléphone et internet lors de vos sessions de travail. C'est le minimum. Mais il faut aussi être attentif à tout plein d'autres choses qui pourraient aussi interrompre votre travail. Par exemple, si vous êtes du genre à procrastiner sévèrement, c'est-à-dire à vous rendre compte qu'il est absolument nécessaire de retailler tous vos crayons dès que vous vous mettez à travailler, organisez-vous un espace de travail épuré, minimaliste, avec juste ce dont vous avez besoin. Tout peut être une distraction. Soyez attentif aux choses qui ont tendance à vous tirer facilement de votre travail et éloignez-les. Non, pas toi. Toutefois, pensez aussi à bien soigner votre corps. On y revient, c'est fondamental et parfois c'est juste une manière qu'il trouve pour vous dire que vous avez besoin d'une pause. Qui veut voyager loin ? Ménage sa monture. Soignez la méthode. Qu'il s'agisse de réécrire vos notes, de les relire à voix haute, de surligner dans tous les sens, faire des exposés ou faire des fiches et j'en passe, il existe des tonnes de méthodes de travail et d'apprentissage. Surtout, ne vous forcez pas à en utiliser. S'il y a une telle diversité méthodologique, c'est pour une bonne raison. Il n'existe pas de méthode de travail miracle.
Ce qui vous revient alors, c'est de voir quelles sont celles qui fonctionnent bien avec vous. On n'a pas tous le cerveau câblé de la même manière. Alors j'insiste, mais ce qui fonctionne pour votre voisin ne fonctionnera peut-être pas aussi bien avec vous. Ne vous obstinez pas aveuglément avec des méthodes de travail qui ne vous sont pas appropriées. Combien d'étudiants et d'étudiantes j'ai vu être très sérieux, travailler comme des malades, mais être nuls parce qu'ils n'utilisaient pas les outils qu'il leur fallait. Je vous jure, ça fend le cœur. A contrario, j'en ai vu avec des handicaps sérieux, genre des études juridiques quand on est dyslexique, c'est pas une partie de plaisir, mais réussir brillamment parce qu'ils avaient été très attentifs à leur méthode de travail. Ne perdez pas de vue que les fiches, le surlignage, tout ça, ce ne sont que des outils. Et quand on a besoin de planter des clous, eh bien un tournevis, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Allez, bisous.